cette soirée? Eh ben, mets des fleurs naturelles, c'est précis. Mets une rose là. Avec 3 francs, tu peux avoir 3 roses magnifiques. Les fleurs, c'est d'avoir l'air pauvre au milieu des riches. Bon, achète des bijoux factices. J'ai peur qu'on s'aperçoive. Personne ne s'apercevra. Moi, je le sentirai. Je ne penserai qu'à cela. Je serai toute raide. Comment je n'y ai pas pensé? Demande à ton ami Joël Forissier pour t'emprunter des bijoux. Jamais, Charles. Jamais. Cela lui fera remarquer que nous nous situons au-dessous d'elle. Mais de toutes les façons, elle refusera. Eh bien, c'est moi qui vais lui demander. Non, cela sera inconvenant. On peut dire ce qu'on veut du moment que c'est pour la bonne cause. Soit j'y vais, pourvu que je sois belle, disons la plus belle. Parfait. J'ai même dansé avec le ministre. Regarde ma robe comme elle est belle. Comme je suis belle. Et ma belle pas. La parure. Ma parure de diamant. Je n'ai plus la parure. Ce n'est pas possible. Mais la parure. Ce n'est pas possible. Tu es sûre que tu l'as descendue et sortie? Je vais revenir sur notre chemin pour la chercher. Nous sommes des beaux gens, mais nous n'avons rien fait de mal. Si on ne trouve pas ce que l'on devrait acheter à nouveau. Combien cela coûterait-il? Je sais pas, quelque chose comme 400 francs. Mais c'est une fortune, Charles. Nous serions incapables de l'acheter, ce bijou. Je travaillerai jour et nuit. Je prendrai des crédits. Je vendrai le peu d'héritage que j'ai. Mais c'est horrible. Je comprimerai les charges. Je me passerai de bol. Il faudrait que je fasse le ménage à d'autres. Que ce soit mon jour de chance. J'y vais. Bonne chance.